Bonjour les amis, salut, vous allez bien? Alors aujourd'hui, Bouéni, à proximité de Bouéni, l'aire de repos de Bandakouni. Je vous montre ce que c'est. Nous sommes dans ce virage-là. Et je vous montre l'aire de repos. À vous d'en juger, d'accord? Donc ici, on se dirige vers l'aire de repos qu'on doit trouver à La Réunion, idem. En fait, voilà. Je vous laisse en juger. Je ne sais pas si à La Réunion, les aires de repos, ça ressemble à ça. Moi, j'appelle pas ça une aire de repos parce que ça, c'est pas fait déjà. C'est pas une aire de repos pour moi. C'est juste un endroit, en fait. C'est juste un endroit. Ça ressemble à rien. Un petit faré, vite fait. Il n'y a pas de bitume, il n'y a pas. Il y a un banc pour s'asseoir, oui, mais pas à l'ombre. Parfait. Le petit banga est ici. Boueux. En fait, c'est un lieu qui n'est pas entretenu. C'est tout simplement pas entretenu. Ça ressemble à rien du tout. On ne sait pas ce que c'est. Moi, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, ce n'est pas un air de repos pour moi. C'est pas une aire de repos digne de ce nom. C'est du foutage de gueule. Franchement, vraiment, à Mayotte, il y a des choses qui sont très aberrantes. C'est vraiment du n'importe quoi. Je comprends pas parfois. Des fois, je comprends pas, en fait. Je comprends pas ça. C'est pas possible. Hein? C'est pas possible, les amis. Cette aire de repos, c'est pas possible. Alors, c'est ça l'aire de repos, hein. C'est une aire de repos. Voilà les amis, eh oui, c'est Mayotte, c'est tout Mayotte.